نحمد ونصلي على رسوله الكريم ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره رواه الترمذي وأبو داود. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: lorsque l'un d'entre vous mange et qu'il oublie complètement de dire Bismillah au début de son repas, eh bien qu'il dise au cours de son repas Bismillahi awwalahu wa akhirahu, traduction, au nom d'Allah au début et à la fin. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un homme qui était en train de manger et qui avait complètement oublié Bismillah au début de son repas, jusqu'à ce qu'il lui resta une dernière bouchée. Lorsqu'il l'a pris et l'a ramené au niveau de sa bouche, c'est à ce moment-là qu'il a dit Bismillahi awwalahu wa akhirahu. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم s'est mis à rire et a déclaré: ما زال الشيطان يأكل معه. Que le shaytan ne cessait de manger avec cette personne. Mais lorsqu'elle a dit بسم الله أوله وآخره استقاء Mafi batonihi, le shaytan a vomi et a renvoyé tout ce qu'il avait déjà avalé et consommé dans son ventre. Par ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre que si nous arrive d'oublier Bismillah au début du repas, alors même au cours du repas, lorsqu'on s'en rappelle, même s'il nous reste la dernière bouchée, de ne pas oublier de dire Bismillahi awwalahu wa akhirahu pour faire vomir Shaytan tout ce qu'il a consommé dans notre plat. Qu'Allah Ta'ala donne le tawfiq de mettre en pratique sa sunnah afin de ne jamais nourrir notre ennemi déclaré, le diable. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.